Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. C'est un réel plaisir pour nous de vous revoir aujourd'hui et faire cette vidéo avec vous. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse sérieusement parce que cette vidéo-là, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de grand que vous devez savoir. Sans doute vous avez déjà entendu parler de ces choses, mais vous doutez encore, c'est pourquoi nous sommes là sur Nyang's Reborn pour vous dire clairement ce qui se passe dans notre monde. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que Mami Wata? Réagissez dans la partie commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. En général, dans la musique de certains artistes, on entend parler de femmes. On dit cet homme, il chante pour sa femme, pour une femme. Cette fille-là, elle chante pour un homme. Et même, certains même vont même jusqu'à prononcer le nom de ce démon. Mami Wata. Mes frères et sœurs, danger. Danger dans la musique. Danger chez nous. Mami Wata. La sirène. Ah, mes frères et sœurs. En Afrique, on l'appelle Mami Wata. Chez les Blancs ou encore en Europe, en Occident, on l'appelle la sirène. En fait, c'est un démon. Un démon qui est adoré par souvent des artistes chanteurs. Oui. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais entendu une chanson où quelqu'un chante pour une femme. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais entendu un morceau ou quelque chose de ce genre, un clip où on voit quelqu'un qui aime une femme. Est-ce que aimer une femme c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais il faut aimer sa femme. Quand on se retrouve dans un clip où on voit que dans le premier clip, cet homme il a chanté et il a montré qu'il aimait une telle femme. Et il fait encore un autre clip pour montrer qu'il aime une autre femme encore. Il faut savoir qu'il y a un problème. Alors que vous devez aimer une seule femme. Pourquoi il ne choisit pas la même femme dans tous les clips? C'est parce que la femme qui est présentée dans ce clip-là, en réalité, ce n'est pas elle. C'est qu'une femme qui est là pour apparaître. C'est qu'un personnage. Elle joue un rôle. Sinon, la vraie femme pour laquelle il chante là, elle n'est pas de ce monde. C'est une sirène. Autrement dit, c'est Mami Wata. Un démon qui donne du succès à beaucoup d'artistes célèbres qui sont dans le monde. Ah! 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 Là, nous touchons un point dangereux ce soir. Là, nous touchons un point vraiment compliqué. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment pas joli. Mais ça existe. Il fallait que les gens vous en parlent. Il fallait que quelqu'un vous en parle. Voici l'histoire à l'appui. Sur Nyang's Reborn, un ex-sataniste nous a raconté ce qui s'est passé un jour dans le monde des ténèbres. Il y avait dans son pays un homme qui chantait, tout le monde l'appréciait, on l'adorait même. Quand il chante là, toutes les femmes sont contentes parce que
Elles se disent qu'il chante pour elles, il les honore. Alors que cet homme-là, il avait une femme. Sa femme-là, elle n'était pas de ce monde et c'était une sirène, c'était une mamie Wata. Et un jour, voici que cet homme-là va rencontrer la parole de Dieu. Dieu va le toucher et il va décider de venir au Seigneur Jésus-Christ. Il va se repentir et il sera avec Dieu désormais. Il va arrêter cette musique, cette adoration à cette sirène. Voici que cette sirène va maintenant rentrer en contact avec son ami, son meilleur ami qui est sorcier même, qui chante comme lui, qui se trouve dans le monde des ténèbres. Et elle va venir auprès de lui. Peut-être ce qu'elle va faire. Elle va dire à son ami, mais pourquoi mon mari ne veut plus venir me voir? Les enfants sont ici avec nous ici. Ah! Donc ils ont des enfants avec ces sirènes là-bas. Ce sont des démons en réalité. Elle dit, il a des enfants. Ces enfants-là sont là. Ils demandent toujours où est le père. On ne sait pas où il est. Oh, s'il te plaît, laisse-moi t'écrire une chanson. Te donner même des pas de danse. Tu vas représenter cette chanson-là sur la terre. Et quand il va écouter cette musique, il va apaiser son cœur et il va revenir vers moi. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, danger! 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 On va tout vous dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si vous aimez la musique, c'est bien. Mais il faut qu'on vous dise qu'aujourd'hui, là, pour le succès, certains artistes, musiciens, certains chanteurs sont prêts à tout, même vendre leur âme au diable. Et voici ce qui va se passer par la suite. Par la suite, cet homme qui est son meilleur ami là, va prendre cette musique, cette chanson, les paroles de cette chanson, y compris les pas de danse, toutes ces choses-là, du monde des ténèbres, même l'accoutrement, comment ils vont s'habiller, oh mes frères et sœurs, c'est-à-dire quand on regarde la musique là, de la musique, du clip, du mastering, tout dans la musique là a été conçu et façonné par cette sirène là qui a possédé cet homme. Tout a été façonné par elle, de sorte que quand cette musique là va sortir là, elle est immédiatement un succès. Parce que le diable, c'est la musique. Le diable, c'est la musique. Il est fort dans la musique. Il est très fort dans ça. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois le diable est fort dans la musique. Donc quand le diable compose une musique et il donne à un humain, quand il va se mettre à chanter, vous allez avoir tous la chair de poule ici. Hey! C'est dangereux, hein? C'est vraiment dangereux. Ce qui est mauvais, c'est que nous tous, nous étions dans ça. Heureusement que Dieu nous a délivrés. Hey! De la même manière, Dieu m'a délivré. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire que, mes frères et sœurs, il y a un danger. Et voici le danger qui est là. Voici ce qui va se passer. Cet homme-là va prendre cette musique-là maintenant. Il va venir dans ce monde-là. Il va entrer dans le studio, comme je vous l'ai dit. Et il va se mettre à chanter cette musique. Toutes les femmes de cette planète vont aimer la musique. Toutes les femmes seront envoûtées. Cette musique aura un succès phénoménal. Divin. Extraordinaire, je dirais même démoniaque. Et cet homme-là en question va entendre cette musique. Et son meilleur ami va venir vers cet homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ pour lui dire que cette musique que tout le monde apprécie là, en réalité, cette musique t'est destinée. C'est ta femme que tu as abandonnée dans le monde des ténèbres là. Cette sirène, cette mamie Wata là, c'est elle et ses enfants qui m'ont aidé à composer cette chanson-là. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Tous ceux qui sont autour là, eux, parce que sa musique elle est destinée. Mais en réalité, nous savons tous que c'est faux. C'est à toi que c'est destiné. Qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, abandonne ta voix et reviens vers la sirène. Elle va te donner même du succès. Hein? Qu'est-ce que son ami va faire? Il avait déjà donné sa vie à Dieu. Il avait déjà abandonné ce chemin. Il fallait maintenant résister. Il fallait maintenant résister. Il fallait maintenant ne pas céder à la tentation pour pouvoir vaincre. Pour pouvoir être vainqueur. Pour pouvoir gagner ce combat-là. Mes frères et sœurs,
c'est un danger qui se passe dans ce monde. Si lui-même, qui était dans le monde des ténèbres, est sorti de la tête d'une telle musique et a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est que vous devez faire attention, nous devons faire attention. Et le diable, il est informé aujourd'hui que beaucoup de personnes commencent à comprendre que sa musique commence à être dévoilée. Donc, il va changer de stratégie en utilisant d'autres stratégies pour venir. Soyez prêts, nous allons tout faire pour vous révéler tout ce que le diable prépare contre vous. Quelles sont les conséquences quand on écoute de telle musique? Les conséquences sont là. Le diable cherche quoi? À prendre votre âme. Donc dès que vous écoutez cette musique, même vous adorez cette musique, vous adorez le diable. Automatiquement, vous désobéissez à Dieu. Vous ne pouvez plus aller au paradis à cause de cette musique-là seulement. Vous voyez le danger? Quand on chante, on adore. Dans la musique, c'est l'adoration. On loue. On vénère un Dieu. C'est incroyable. Toute musique que vous allez chanter, quelle que soit la musique que vous allez chanter, quelle que soit l'orientation de cette musique, sachez automatiquement que vous êtes en train de louer ou encore adorer une entité spirituelle. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Malheureusement, c'est vrai, oh, c'est vrai. Nous devons vous dire cela. Ah, mes frères et sœurs, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Dieu va encore nous parler et que Dieu vous garde et que vous bénisse. Nous vous rappelons que Nuance R1, notre version YouTube, va recevoir une nouvelle vidéo aujourd'hui. Allez, regardez cette vidéo, vous en saurez plus. Merci à tous ceux qui nous soutiennent Baladon. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que Dieu vous garde, mes frères et sœurs.